Hé ! Dis-moi, où sommes-nous ? Voie de garage. Vous serez à quai dans une minute. Ok, de quelle gare ? Woking. Attrape-moi un journal, tu veux bien ? Allez. Je supporte pas. Lis-le, toi. Tu supportes pas ? Ils vont nous cracher dessus dans les rues. S'ils sont pas enfermés à attendre l'invasion. On ne gagne pas les guerres avec des évacuations. Je peux pas regarder. Mais il y a eu une victoire dans cette libération qui devrait être soulignée. Notre reconnaissance devant la libération de notre armée ne doit pas nous rendre aveugles au fait que ce qui s'est passé en France et en Belgique est un désastre militaire colossal. Nous attendre à être frappés à nouveau presque immédiatement. Nous irons jusqu'au bout. Nous combattrons en France. Nous combattrons sur les mers et sur les océans. Nous combattrons avec une confiance et une force grandissantes dans les airs. Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix à payer. Quoi ? Nous défendrons notre île, quel qu'en soit le prix à payer. Nous combattrons sur les plages. Nous combattrons sur les pistes d'atterrissage. Nous combattrons dans les champs et dans les rues. Nous combattrons sur les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Et même... cette île ou une grande partie de cette île était soumise et affamée. Alors notre empire de par-delà les mers, armé et gardé par la flotte britannique, continuerait la lutte. Jusqu'à ce que, en temps et lieu, le nouveau monde avec tout son pouvoir et sa puissance se porte à la rescousse et vienne libérer l'ancien.